Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Mass Effect. Et on reprend, c'était la dernière fois dans le foot de ce jeu. Donc nous avions acquéri quelques missions. Et nous allons nous en rendre une que j'avais totalement oublié de rendre. C'est la mission que nous avions avec Garant, avec le vaisseau qui avait disparu. Alors, vous avez retrouvé mon frère ? J'ai retrouvé le corps de votre frère. Son vaisseau a bien été attaqué par des pirates. Willem mort ? Enfin bon, il fallait s'y attendre. Je m'en suis douté dès qu'on a perdu le contact avec son vaisseau, mais j'avais encore un espoir. Toutes mes condoléances. Merci de l'avoir retrouvé. Ça fait mal, mais c'est pire de ne pas savoir. C'est ce qu'on dit, pas vrai ? Je vais devoir vous laisser. Il faut que je m'occupe des funérailles. Bon, une nouvelle mission accomplie. Donc, ces trois-là, on les fera en explorant. Il nous reste donc là les deux missions à faire. Quant à nous, on va se diriger tout de suite SSC. On va reprendre le vaisseau, on va faire les quêtes qui nous reste à faire dans l'espace. Pédamarrage. Mais heureusement, on n'avait pas trouvé d'autre armure niveau 10. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que ces gens n'avaient pas l'air d'apprécier votre présence, Tali. Les gens nous en veulent d'avoir créé les guettes et méprisent notre mode de vie nomade. À leurs yeux, nous sommes des charognards, rien de plus. Seuls les imbéciles pensent ainsi. Les explorateurs cariens ont découvert plus de relais cosmodésiques que n'importe qui d'autre. Savoir que les efforts de mon peuple ne sont pas totalement ignorés me réconforte un peu. Ah là là. Bon, faut dire aussi, créer une intelligence artificielle qui fout en l'air à moitié de... Enfin... Qui pourrait envahir toute la galaxie si elle voudrait, mais bon. C'est sûr qu'après on va vous apprécier. Non, je rigole. Par contre, faut juste que je regarde, j'ai pas regardé où c'était. Ansebis. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Et sur une planète, il y avait un endroit que j'ai pas pu aller dans l'épisode précédent. C'est en fait parce que je... Livre de bord. Le commandant a réintégré le vaisseau. L'officier Presley est relevé. C'est un rapport avec cette quête-là, justement. Il fallait que j'active avant de pouvoir y aller. Mais par contre, j'ai juste pas fait attention à quelque chose. Parce que j'imagine que je redépense après tout mon argent en même endroit. Donc là, c'était dès que c'est fait. Asgard et Utopia, c'est bon. Artemis de Guadalajara. Ah ah, Hades Gamma, je crois. Ouais, donc j'aime aussi ma, faut que je me fasse. Artemis de Spartatengnokos. J'ai déjà dû le faire. Artemis de, donc Hades Gamma. Hades Gamma, je vais vérifier que j'ai bien fait tous les autres. Ah, quelques saccades, je m'en excuse. Il n'y a pas eu pourcentage d'accomplissement dans chacun des systèmes, ce qui est vraiment contraignant, je trouve. Déjà fait. Je me souviens
encore un petit peu des lieux qu'on a fait, donc ça aide. Ouais, on va faire ça. Ontario, si je me trompe pas, c'est sa mission que je pense. Avec le président, c'est ça. Donc je suis déjà bienvenu déjà dans ce secteur-là. Dans un dernier épisode. Donc ça ici est fait. Cacus est fait. Brutus. Brutus me dit quelque chose aussi. Après qu'il vérifie quand même. J'ai un doute. Je crois que oui. Je crois qu'on l'a déjà fait. Mais j'ai un doute. On passe sa bague, j'ai pas pu y aller. Donc c'est sur cette planète là, donc plus tu on a que je repasse. On peut tuer son que je repasse plus tard. Donc, si jamais vous explorez une planète totalement wiki, Mass Effect Wiki, vous aurez toutes les planètes dessus, hein. C'est comme ça que je faisais pour être sûr de rien oublier. Je suis complet avec mes explorations personnelles, ça me permettait de voir. Bon, globalement, c'était totalement juste wiki, donc au final, vous pouvez vous y fier. Encore du métal. On ira juste après. Un sorite métallique pour du pognon. Voilà, du lithium. Il y a vraiment plus de ressources que nécessaire, comme j'ai déjà pu vous le dire une fois. Plus d'écrits de matriarche que nécessaire aussi, on a pu constater. Hein. Un emblème turien de mémoire, on les a tous. J'ai cru voir mon curseur, je veux... T'arrêter sur une cible. Comme bien évidemment on exporte, je suis obligé de prendre Tali pour tout débloquer. Si j'arrive à trouver, voilà, j'essaie de tout ouvrir pour pas toutes mes armures, moi, donc c'est sûr que ça me prend du temps. Une planète gelée, d'accord. Pas, j'ai envie de dire. Ah, c'est bon, je me rappelle cette planète. Alors, faut savoir que c'est. Vous allez me dire, c'est plutôt pragmatique, voilà. On va y aller des rivaux. Alors que c'est Eggman ou pirate, etc. Pourquoi j'ai accepté? Vous comprendrez plus tard. Même si je suis pas d'accord, je peux pas. Techniquement, je peux faire ce que je suis spectre.
Le fait d'éliminer des pirates, c'est pas plus mal non plus d'un côté. Voilà. En sécurité de la galaxie, en pensant. De la skate de peu. Ce qu'il y a là-bas. Là. Bon, le terrain est très irrégulier, je l'admets, donc c'est parfois un peu compliqué à se passer. Je crois que c'est dans la trop basse qui. Vraiment, mettez ma cause, sinon pour ressortir à pied, c'est parfois c'est compliqué. Parfois votre personnage n'arrive pas à remonter à pied, donc faites attention à ça. Donc rien qui m'intéresse, mais ça va être toujours de XP. Enfin, voilà. Ça m'a... L'XP est toujours intéressante pour augmenter vos capacités. Pour moi, j'aimerais bien avoir un personnage de 100, pas de 60. Hein. Comme ça, moi de ce côté-là, je m'arrête. Occuper. Voilà, c'est surtout que moi j'essaie de trouver quand même maintenant tout ce que j'ai besoin en fait pour plus tard. Donc l'équipement en plus, donc ça c'est une sonde uniquement pour pouvoir recycler. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-haut pour avoir ce bug. Ouais. On va passer par un meilleur endroit pour y aller. Vraiment, c'est pas un quoi. Un gars, rien. On va récupérer l'artefact. Hein. Voilà, pour un million d'aligues unique, impossible à identifier. Donc, ici, les emblèmes turiens, on a récupéré un de plus et égard rien, c'est terminé. Donc, nous avons pris encore une nouvelle quête de Terra Incognita. De mémoire, tout ce qui a le nom de Terra Incognita, ça provient du DLC Turbulence 900 000 pieds. Alors, petit rappel pour les personnes qui ne le savent pas, mais Turbulence 900 000 pieds est le premier DLC de Mass Effect 1 qui est totalement gratuit. En Electronic Arts, ça récupère la licence et Mass Effect 1 pour plus précisément. Ils ont rendu totalement gratuit le premier. Et après des extensions, c'est ça son pinacle. Donc deux extensions qui servent totalement à rien, je vous le dis clairement. Enfin, par rapport au DLC, vu que moi j'ai commencé à Mass Effect 2 et 3 avant sur Mass Effect 1 sur console, j'avais le 2 et le 3. Quand tu vois les DLC faits sur console, les DLC... Et tu vois les DLC... Go, go, go! Mais ils ne sont plus qu'un souvenir. Bateau plus qu'un souvenir, je pense. Un retour fouillé qui a rien de planqué quelque part en bas. Ah, des cryptas, des casiers d'armement. C'est une armure? Non. Plutôt des armes, je pense. Des casiers comme ça, c'est plutôt des armes.
Je suis prête. Parfait. Donc plein d'armes en bas, je suis pas plus mal. C'est bien les armes. Enfin, c'est bien. Ah, bah faut reset-er. D'accord. Mode kit, donc des modes encore pour vos armes, ça vous en avez besoin. Je vous rappelle que moi j'ai déjà tout à fond, hein. Toutes mes armes sont améliorées, tout mon équipage. Leurs armures aussi, d'ailleurs il y a un autre mode. D'autres modes à récupérer. Ah non, c'est un truc mieux. Ah par contre, on peut récupérer ? Ah si, on peut récupérer quand même mes DJ, ça me paraissait bizarre. Vous mettez à couvert, vous appuyez, vous appuyez sur le bouton d'action, donc œil, vous pouvez monter, parce qu'en haut vous avez remarqué c'est écrit monter. Ça marche comme ça en fait dans ce jeu, donc c'est une action contextuelle. Donc ça c'est fait. Donc ensuite, nous allons nous occuper du deuxième baron de la drogue. Donc taille C plus Brutus, donc il retourne. Ming. Je sais même pas si on a fait Ming. Ah, c'est le vaisseau où il y en a une qui est... Ouais, c'est... parti. Il y en a une qui est folle, qui a tué tout l'équipage parce que son mari était décédé ou en mort cérébrale. Et les autres membres de l'équipage voulaient débrancher, elle a appris à massacrer tout l'équipage, mon dieu, à la fin, elle a massacré. Enfin, elle a tué. Écrit de matriarche encore, j'en ai tellement en rap. Donc ça, on ira après à Mavignon. Ça ira ici. Ça rapporte de l'argent, comme toujours. De toute façon, c'est simple. À partir du moment que ça me parle d'argent, ça intéresse dans le jeu. Parce que, avec Assassin, en fait, Phoenix, ce qui est génial, c'est que vous pouvez facilement avoir plein d'équipements ultra fumés. Bon, à un certain coût, certes, mais. Voilà. Vous voyez comment moi j'ai récupéré tout mon équipement lourd. Voilà. Permis recours contre à mon. Ouais, bon, ça c'est une quête. Course contre un monte, en fait, c'est grosso modo la quête principale. Aïe. Parfois, le chemin le plus court n'est pas le meilleur. Mec, un maco, si. Donc, je trouve bon, je suis d'accord que le jeu a un peu vieilli quand même, un peu beaucoup, mais je trouve que le jeu reste quand même plutôt pas mal pour un jeu de 2007. Non, 2007, je crois qu'il est sorti. J'ai plus la date exacte de sa sortie, mais je trouve que le jeu. Voilà. Il s'en sort plutôt bien malgré que ce soit un vieux jeu. Bon, il y a beaucoup de soucis techniques après, par contre, sur des 2.7 ou 2.8. J'ai pas encore une 2.10, mais on est sur une 2.10, ça sera des soucis, mais... Honnêtement, il y a des jeux qui posent moi plus problème que celui-ci, des vieux jeux. Enfin, des vieux jeux, des jeux de la même époque qui poseront plus problème que Mass Effect.
Ça enlève juste mon problème que je puisse pas réinstaller mon DLC Station Zenith autre qu'en copiant les fichiers de Station Zenith directement dans le fichier du jeu de Mass Effect. Ça va. Parce que oui, j'avais pris le DLC en même temps que le jeu. Pour 2€, 2 ou 3€, j'avais acheté, voilà. Le problème, c'est que quand j'ai dû réinstaller, j'ai jamais pu réinstaller le DLC. C'était plutôt problématique en soi. Bon, par contre, là, les effets, là, qu'on voit, quand on zoome les effets, c'est moche. Je viens de mettre. On va pas zoomer les effets. Pour moi, c'est vraiment que c'est des effets, voilà, c'est de la fausse neige. Honnêtement, ça va, je sais pas. Moi, ça me dérange pas. Parce que autant il y a des jeux beaucoup plus récents où t'as l'impression que les particules sont plus réalistes, mais autant que ça fait moins effet de bizarre. Oh, à tous les coups, faut. À tous les coups, il est là-haut, comme ça. Et il faut que j'escalade, c'est ça. Vous pouvez détruire ça. Un petit peu plusieurs fois coup de ma code d'or pour moi. Allez. Let's do it. Je vous suis, commandant. Ah oui, les voix anglaises sont géniaux. Je le précise pour ceux qui aiment bien. J'aime bien le doublage français, parce que bon, avec Mass Effect 3 où il y a une totale synchronisation labiale. Mais autant les voix anglaises sont géniaux. Les voix françaises sont pas mal aussi. Ça va être chaud. Ravi de n'apprendre qu'elle ne le reverra plus. Et un level. Attendez, je récupère les armes. Pistolet pourri. Je vais prendre ça, puis après je prendrai lévitation. Comme ça, j'aurai tous les pouvoirs. Toi, les Ratsani, tu vas prendre projection dernier level. Et toi, ma petite Tali. À tout le temps que soin. SM Fortuna, faudrait que je retourne. Mais il doit avoir du matériel récupéré, je pense. Médical, kit médical, donc beaucoup de médigel. C'est bien en fait, le médigel, j'admets que je l'utilise pas beaucoup pour ma part. Mode armure, motivé, pourquoi pas. J'admets que j'utilise pas beaucoup tout ce qui est. Que j'essaie de chercher, je sais pas. Tant pis, je sais plus comment on fait, c'est pas grave. Jamais que mes déjà j'utilise beaucoup moins du fait que j'ai un niveau d'armure assez.
comment peut-on dire, élevé. Ouais, on peut dire ça comme ça, je pense. De cela, bon, j'utilise plus que j'ai des très bonnes armures, etc. Ou à plus bas niveau, n'hésitez pas à utiliser mes digestes. C'est vraiment, vous voyez que vos deux coéquipiers sont morts, vous avez quasiment plus, ou que vous avez quasiment plus de vie, utilisez mes digestes. Moi, j'essaie d'éviter. Enfin, j'essaie d'éviter. J'aime pas trop les utiliser, tout simplement. Autant démentiel, j'hésiterai même pas à les utiliser. Enfin, dans le niveau de qualité le plus élevé. Mais autant que vous êtes en. Voilà, quand vous commencez le jeu, vous avez vraiment du masque. À certains endroits, vous pouvez avoir du masque, que vous êtes en dessous du level requis. Pour réaliser correctement. Ça arrive. Bah, utilisez, quoi. Ne perdez pas votre temps à. Quel secteur? Voilà, on va connaître mon tuna. Je suis en train d'y réfléchir en fait. J'espère qu'ils mettent le système quelque part, parce que j'ai un trou de mémoire en fait où elle se trouve. Le système Fortuna. D'accord, système Fortuna. Où est le système Fortuna? Parce que je n'ai franchement aucune idée. Arcosro, peut-être qu'il y a un nouveau système Hydra Phoenix, non. Pax Strinus Fortuna, voilà. Nebus, la tête de cheval, Fortuna, système Fortuna. Voilà. Un petit peu graphique au fond. Hein. Cette planète là veut pas charger, je sais pas pourquoi. Élément rare en plus. Amarantine. A tout coup, avoir essayé de me faire la peau. De mémoire, je crois qu'on peut la tuer. Et ne vous inquiétez pas, on finit cette planète là et on aura terminé pour cette vidéo. On va faire des vidéos un peu plus courtes cette fois-ci. C'est vrai que d'un coup j'ai un peu abusé comme vidéo de chineur. Mais c'est pas ma faute. Ah moi. Laissez-moi. Non, je vais faire une vidéo plus longue d'un coup, il y a plein de choses à faire. Je suis pas du genre de certains filmeurs qui aiment bien en groupe au milieu de l'action. Je suis pas ce genre là. Moi je préfère terminer ce que j'ai commencé à faire dans une vidéo qui fait ce que la vidéo soit trop long. Que je trouve pas, ça se fait pas. Tout simplement, ça se fait pas. Voilà, autant voilà, dans certains parfois je coupe quand une vidéo va, c'est sûr, quand je sais que ça va faire 2 heures. Le contenu va durer pendant 2 heures, c'est sûr que j'ai évité quand même de.
filmer ça dans un seul épisode. Enfin, si on va en faire deux ou trois. Mais... je sais où couper ce mode. Par exemple, je vais prendre l'exemple qu'on était sur Noveria. Je savais que depuis mon épisode, je vais faire tout ce qu'elle va faire tant quand on débarque sur Noveria. Que deuxième, je vais faire tout ce qu'elle va faire avant de descendre dans le laboratoire. Et au troisième, je vais faire tout ce qu'il y avait dans le laboratoire de recherche. Ouais, je vais... ça, par contre, ça sent... je sais pas pourquoi je sens qu'il y a un débordé. Et devant, disons que ce qui est génial avec, c'est que ça vous rapporte une fortune. Emblème tu rien. Oui, il manque plus qu'un emblème et j'ai terminé. Carte, ouais. Moi, ouais, et devant, c'est ça qui est... disons qu'au début, moi je suis mort plein de fois sur le devant, juste que j'avais du mal à combattre. Mais... maintenant que tu as trouvé la technique, à part une petite boulette ou une petite glissade, c'est vraiment simple de les battre. Ah, je trouve. Vous revoilà, commandant Shepard. Je vous dois beaucoup. Maintenant que mes associés sont morts, le syndicat me revient. Je n'y serais pas arrivé sans vous. Je les ai tués parce qu'ils le méritaient. Quant à vous, je vous coffre. Quoi? Mais quel intérêt? Sous mes ordres, cette organisation s'en tiendra au jeu d'argent et au trafic de technologies illégales. Ce sont des crimes trop insignifiants pour vous. Mais si vous insistez, mes assistants sont tout à fait en mesure de s'occuper de vous. Votre gang a la réputation de tremper dans la drogue et l'esclavage. Il est un peu tard pour se racheter une conduite. C'est possible. Peut-être que cette organisation a été trop vérolée par ces deux idiots pour rentrer dans le droit chemin. Si je démantèle le gang, je reste en liberté, c'est bien ça. Je n'ai pas fait tous ces efforts pour finir en cellule. Je ferai tout pour éviter la prison. Mourir si nécessaire. Tuer sans aucune hésitation. Alors, marché conclu? Je vous laisse en liberté, mais je ne veux plus jamais entendre parler de ce gang. Si jamais... ça n'arrivera pas. Je ne suis pas assez idiote pour mentir à un spectre. Sur ce, si vous voulez bien m'excuser, mes hommes deviennent nerveux en présence des forces de l'ordre. Au revoir, Shepard. Je m'attends à récupérer. Ouais, c'est vite de faire une basson, hein. Vous pouvez vous bassonner avec tout le monde. Vous pouvez vous bastonner avec tout le monde, mais bon. Ah bah, il y a un truc à récupérer par exemple là-bas. Ah, comme ça vous récupérez les modes qui vous intéressent. Coffre mur à renforcer, tiens. Rien d'intéressant. Une armurerie là-bas, j'espère qu'il y aura de meilleurs matériaux que tout ça, parce que sinon... Et il me faut encore combien d'XP, voilà. Une tonne d'XP pour arriver au dernier level du jeu. Donc, probablement pas dans cette partie. Encore une partie, je serai dernier level à mon avis. Au revoir, Ena Blake. J'aurais dû l'arrêter, je pense, mais... disons que c'est encore un MOV qu'habituellement pour... d'un côté, on y gagne tous les deux. D'un côté, ouais, elle finit pas en prison, ouais, elle s'en sort entre guillemets tranquillement. D'un autre côté, j'ai démantelé un gang. Je veux dire, c'est pas plus mal. Quant à moi, c'est là qu'on va s'arrêter pour cet épisode. Je vais pouvoir faire toutes les petites enquêtes actuellement.
quand j'ai plein d'argent, ça va être ce que je veux parler. Donc Shepard, appartement. Donc je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Et à tout le monde.